messieurs, pour vous ce soir, les decks d'Hearthstone. Un deck fun à jouer pour tous les sorciers s'appelle le mage tempo. Tu lances plein de sorts, ton dit sûr que ça rend, tu n'as plus qu'à chanter Rameno. Le Huntard est un type de chasseur qui aime bien te rentrer dans le lard. Le temps que tu arrives à poser un board, il sera malheureusement trop tard. Le guerrier contrôlé, le druide rencontre des mécaniques assez sympas. Ça met plein de créatures, ça se blinde d'armure, en gueulant vous ne passerez pas. Le Démozo est un deck rigolo qui aime bien montrer sa ménagerie. Ça floute le board, il roy puissance accablante et voilà défini. Le démo unlock au contraire aime bien se prendre des gros coups dans la gueule pour poser ses géants de lave avec un tonte au risque que ça fasse meule. Autrefois il y avait un druide qui s'appelait le druide double combo. Un petit coup Tauris, un 3-3 en rugissement et Tournafil te disait ciao. Le Volorum était un deck fun avec une demoiselle assez agile qui te déchiquetait, tes tripes, tes gorgées et tout ça en s'enduisant d'huile. Le Shaman Fest est un mec assez violent qui mettra tous ses coups dans ta tête. Marteau, un croc, confine les pouvoirs du Smork et n'oublions pas la 7-7. Le Balamurloc commandait les poissons avec le pouvoir de la lumière. Tu avais beau les tuer, tourdis, tu te prenais un vieux trouble-œil assez vénère. Contre un prêtre, je sors une bonne grosse carte et là tu te crois déjà gagnant. Il lance vite ta carte, tu rages, mais t'inquiète pas, il donnera les derniers sacrements. Cette classe a d'ailleurs été considérée comme la plus grosse des chaussettes. Aujourd'hui il se soigne et ressuscite ses monstres tout en finissant les assiettes. Je pourrais continuer à présenter des jeux qui sont bien humanisés, mais le mieux pour vous, pour tous les connaître, je le dis sans conteste, une bonne manière d'être le meilleur des maîtres serait tout simplement, je pense, de commencer à